Il est là. Il est revenu. Jésus-Christ en personne. C'est Hervé, comment dire. Chez Hervé, Hervé Guillet, chez Hervé, votre partenaire santé à Deauville. Alors Hervé, on vient de vivre le Grand Prix d'automne. Alors déjà, à chaud ton émotion, toi qui es un grand spécialiste des courses. Alors ma première émotion, c'est j'ai une grande pensée pour François, parce que c'est son premier groupe 1. Donc j'imagine ce que ça peut lui faire après quand même quelques années de travail et de dur labeur. Donc ces deux dernières années, enfin toutes ces années de travail, c'est largement mérité. Et bah, super content pour lui. Et pour le coalition, Munir, tout. Et voilà, ces gens avec leurs couleurs qui sont là, c'est très très, très important qu'ils soient là parce que il va nous manquer des propriétaires dans peu de temps, on le sait tous. Il est temps de ramasser les vérités. Moi, je vais les dire, les vérités. Vas-y, dis-les. Ah ben, on ferme Anguin, c'est de la connerie. On fait plein de choses, c'est de la connerie. Enfin, tout est de la connerie. Je le dis. Alors, il faudrait peut-être un jour penser en gens intelligents et voir ce qu'on peut faire sans faire trop de conneries. Longchamp, on s'en fout. Ça profitera à trois personnes. L'obstacle, Anguin, aurait profité à beaucoup plus de petits entraîneurs, de petits éleveurs et de petits propriétaires. C'est ma pensée. Hervé, président, Hervé, paisible retraité. Malheureusement, on a moins picolé hein, ces derniers jours à Deauville. C'est bien triste, Hervé, ta paisible retraite. Alors, la pêche, peut-être, les boules? Non, mais c'est pour ça que je commence à moins dire de conneries, c'est parce que je picole moins. Donc maintenant, j'ai décidé de penser un peu plus que de boire. Donc, je ne sais pas si le résultat va être bon, mais enfin, bon, voilà. Merci, mon petit Hervé. Cher Hervé, votre partenaire santé. Merci à vous.